Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur My Hero Academia de Strongest Hero. Et en fait, j'ai eu une idée parce que il y a quelque chose qui m'est passé par la tête. Vu qu'ils nous ont donné une carte Gran Torino active et qu'on est dans l'arc de Stain, on va dire, du coup, saison 2. Je me suis dit, pourquoi pas cette fois-ci, comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, on aura probablement Dabi. Mais en fait, vu qu'on a eu Gran Torino, on pourrait avoir, pourquoi pas, une nouvelle forme de Deku. Je m'explique. À l'heure actuelle, ils nous ont enchaîné avec, du coup, le dernier perso qui est sorti, c'est Shigaraki, suivi de Hawks et ses cartes passives. Et après les cartes passives qu'on a eues, on a eu, comment il s'appelle, le fameux Gran Torino, qui d'ailleurs est un énorme skip. Je ne suis pas le seul à le dire, que ce soit chez les Anglais ou chez les Français, c'est un énorme skip. Maintenant, vu qu'on est dans l'arc de Stain, il se fait arrêter. Gran Torino. On pourrait avoir Night A en carte passive ou en carte active. Night A, je vous donne un petit aperçu de Night A. Voilà, c'est lui. Celui qui peut regarder, je crois, 10 secondes ou 15 secondes à l'avance. Qui peut, on va dire, qui peut prédire l'avenir. Je me souviens pas exactement de son pouvoir. On va aller voir ça. On va traduire parce que sinon ça va prendre trop de temps. Personnalité, capacité. Ok. Intelligence de génie, capacité d'enseignement, prévoyance. Voilà, l'alter de Night A. A permis de voir l'avenir d'une autre personne au point de vue d'une troisième personne. Afin d'activer son pouvoir, Mirai devait d'abord toucher la cible visée, puis établir un contact visuel. Ok. Ça veut dire que ça pourrait être une carte passive pour moi. Je m'explique. Pourquoi une carte passive? Dans le sens où, au moment où on va attaquer l'adversaire, où on va lui porter le premier coup, on aura sûrement des stats augmentées, augmentation des dégâts, augmentation de la défense ou quoi. J'irais plutôt augmentation de la défense vu que dans ces épisodes-là, ça lui a permis d'esquiver les coups de Deku, les coups de overall et tout. Du coup, je pense que ça sera plutôt augmentation des stats défensifs. Et voilà. Maintenant, pourquoi Deku? Gran Torino lui a appris à répartir son pouvoir dans tout son corps, enfin plus ou moins dans tout son corps, et à augmenter, je crois, à 7 ou à 8%, à 8% de ses capacités maximum, ce qui fait qu'on pourrait avoir un nouveau Deku. Là, à l'heure actuelle, on n'a qu'un seul Deku, c'est le free-to-play. Gratuit, tout le monde peut avoir, tout le monde peut farm gratuitement via le mode solo où on peut récupérer ses pièces. Ou sinon via le mode coop. Pourquoi j'irais un nouveau Deku? Parce qu'on pourrait par la même occasion avoir un nouvel événement ou un nouveau Battle Pass qui pourrait être lié à ce personnage et non à Mina. Mina, c'est vrai que sur la version chinoise, on a eu ça. Mais là, à l'heure actuelle, on peut plus se baser sur la version chinoise parce qu'on a eu Hawks et Gran Torino. Gran Torino qui, d'ailleurs, est arrivé avant, sur la version globale, avant d'arriver sur la version chinoise. Du coup, Deku, Night A, Dabi, Present Mike, Genest, Toga. Et qui d'autre? Et qui d'autre? On va aller voir ça in-game parce que je ne me souviens plus de son nom. C'était pas Toga. Je crois que c'est Myst. On pourrait bien avoir Myst.
Et maintenant, dans quel ordre ils vont enchaîner? Je pense que ça sera soit les deux que je vous ai dit au début, Night A et Deku, soit Dabi. Genesis, il arrivera largement plus tard. On l'a vu que contre Efo. Si on suit l'histoire de l'anime et non du jeu. Vu que là, ils nous ont donné le top 3. Ils vont sûrement basculer maintenant chez les adversaires. Enfin, chez les super vilains. Du coup, Dabi. Et après Dabi, on pourrait avoir soit Toga, soit Mist. Et après, on pourrait avoir Deku, Night et Night A. On verra ça d'ici un petit mois ou voire 2 mois. Pourquoi pas un petit. Le million, vu qu'il y en a beaucoup qui le désirent. D'ici un petit mois et demi. D'ici octobre. Ça serait pas mal. Du coup, voilà. C'est tout pour cette vidéo. C'est juste ma petite théorie. Il n'y a eu aucun leak ou quoi. N'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu. De vous abonner à la chaîne. Ça me fera énormément plaisir. Et sur ce, je vous dis ciao. Et à la prochaine, les amis. Peace.